président de la République vous parle. Sénégalaises, Sénégalais, aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du Conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Aliuntal, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droit civique. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal.